autour de ça, évidemment, il y a les invités du festival qui ont aussi, eux aussi, une espèce de résidence. Alors, on peut parler du fait de Vox Luminis, qui a 3 concerts. Alors là, c'est une résidence de concert. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils répètent ici, ils font un concert, qu'ils reprennent. Donc, c'est juste ce qu'on appelle en jargon du métier un réchauffage. C'est-à-dire qu'ils font une grande répétition pour reprendre un programme qu'ils ont déjà beaucoup donné. Et puis, il y aura 2 nouveaux programmes qui vont être répétés ici et dont le festival aura la primeur avec le de Handel, avec du Purcell et la célèbre Traore Ode, qui est vraiment une magnifique cantate, dont nous aurons également la primeur avec Lionel Meunier. Ça, t'es peut-être le festival qui nous a vu passer de jeunes ensemble à, j'allais dire, pas vieilles ensemble, mais ensemble professionnels. C'est-à-dire, nous avons commencé là en 2012, donc il y a déjà un petit moment, et c'était un concert, donc d'un programme que nous avons fait. Puis assez rapidement, on nous a offert une résidence, donc de pouvoir créer des programmes ici à Saintes. Et ce qui est assez spécial, en tout cas pour les 3 résidences que nous avons eues, qui étaient pendant le festival, c'est que c'est avec du public. C'est-à-dire des gens suivent toutes nos répétitions. Et je pense que c'est une manière de répéter très très bien. C'est-à-dire on ne chante jamais de la même manière ou joue jamais de la même manière si on est juste entre nous ou si on a du public qui entend. C'est 30, 40, 50, 60 personnes qui sont là à nous écouter, qui suivent ce qu'on se dit. Ça nous oblige à avoir une certaine discipline. Quand on n'en a pas, on entend le public qui rigole, en fait, en nous regardant. Mais le Festival de Saintes m'a apporté aussi du courage, j'allais dire, en me faisant des demandes de répertoires qu'on n'avait pas encore abordés. Donc c'est un événement pour nous tous les ans. Maintenant, quand on revient, c'est sur l'agenda, c'est un des moments les plus prisés, j'allais dire, entre nous, parce que ces résidences sont une chance pour les artistes. Quand on donne le temps dans des beaux lieux, d'avoir un public, d'avoir une atmosphère où on rencontre les autres artistes aussi. Pendant notre résidence de travail, on peut aller voir d'autres concerts également, trouver une inspiration dans ce qu'on entend. C'est vraiment un grand luxe. Pour nous, ça veut dire que le Vox Luminis est un ensemble qui, chaque année, donne un nombre relativement conséquent de concerts, cette année 3, et ils posent leurs valises, ils sont là en tout une semaine, une petite semaine, et ils donnent ces concerts, ils vivent ici, ils rencontrent leurs collègues, etc. C'est voilà, c'est la forme, disons, amicale de la résidence, où les gens peuvent se poser, parce que le métier de musicien est quand même très difficile quand vous devez passer d'une ville à l'autre. Les choses étant ce qu'elles sont, on ne peut pas rester 3 jours dans une ville quand on fait un concert. Il faut aller très vite, prendre l'avion tous les jours. J'ai vécu de moi-même cette vie, c'est fatigant. Et à Saintes, on permet aux gens de pouvoir se poser un peu, de répéter et écouter les autres aussi, c'est important. Et c'est ici que, par exemple, le Festival de Sainte-Nodène, quand on se pose pendant 8 jours, 9 jours, 10 jours, dans notre cas, on essaye de calmer un peu, de retrouver un rythme plus paisible. Je pense que ça nous aide parfois pour aborder la musique et, j'allais dire, peut-être ralentir légèrement les tempos, s'enlever ce stress de la vie.